Congolais Panda. Oh, Congolais Panda. Congolais Panda. Azuli kanisi ya malamu puna kosepelisa Banambuka Kongo Kongo Lipanda Asali Libango Kongo Lipanda Peninga Puna kuyeba historia Kongo Landa Kongo Lipanda. Suivez votre nouvelle émission sur Kongo Lipanda face au public. Shalom. Hier, nous étions à l'église, vous avez parlé des choses que nous avons qui attention à l'Isso. Comment on peut comprendre le signe du temps? Est-ce qu'il y a une différence entre la Bible et les catéchismes? On peut comprendre les signes des temps si on a été prédestiné à la compréhension de ces signes. Ainsi, les gens avaient compris les signes des temps dans toutes les époques des prophètes. Le message de Noé qui allait mettre fin au monde antédiluvien était un signe des temps que c'était la fin. Ceux qui étaient prédestinés avaient compris. Mais il n'y avait que 8 personnes, c'est-à-dire la famille même du prophète. Au temps d'Abraham, notre père, le signe des temps, c'était la perversion dans les relations. La fin était arrivée aussi pour Sodome et Gomorrhe. On voit que les hommes se mariaient entre eux. Vous pouvez le vérifier dans Genèse 19. Cette perversion était un message, c'était le signe que la fin est arrivée pour les deux villes où se pratiquait l'homosexualité et autre chose, de la perversion. Le prophète Moshe, de retour en Égypte, avec un message destiné à faire sortir le peuple de Yahweh de l'esclavage, et avec lui des grands signes, des miracles et des prodiges. C'était un grand signe, un signe de temps. Le prophète lui-même était ce signe-là. Est-ce qu'il y a une différence entre la Bible et les catéchismes? Oui, j'y ai arrivé. Il y a une très grande différence entre la Bible et les catéchismes. La Bible, c'est un livre saint. L'unique livre qui soit saint, sacré, c'est-à-dire destiné à transmettre le message divin. La Bible est Elohim sous forme de semence des Écritures. La Bible est le prophète. La Bible est l'unique livre qui soit le prophète. Je dirais même le prophète des prophètes. C'est dans la Bible qu'il y a les promesses. Dans la Bible, nous y voyons aussi l'accomplissement. Nous voyons la lumière du soir dans les Écritures, la Bible pour notre temps. Mais le catéchisme, c'est un code de la religion des Romains. Le catéchisme n'est pas la parole de Dieu. Dans le catéchisme, on transforme même quelques versets qu'ils ont pris de la Bible. Par exemple, vous y trouverez la doctrine sur la Trinité. Mais vous ne verrez pas la doctrine de la Trinité dans les Saintes Écritures, ni chez les prophètes, ni chez les apôtres. Le premier de tous les commandements est toujours un seul Seigneur, qu'il faut seul aimer, seul servir. Il faut baptiser dans un seul nom, le nom du Seigneur, Yeshua HaMashiach. Donc il y a une grande différence. Le catéchisme ne vient pas des dieux, mais des démons. Mais la Bible vient du Seigneur lui-même. La Bible, c'est le chemin, c'est la vérité, c'est la vie. Merci.
Troisième question, comment nous les chrétiens, nous devons être dans le plan de Dieu? Pourquoi le Seigneur aime Israël? Montrez-nous réellement que Caïn était le fils du diable. Comment nous les chrétiens devons être dans le plan de Dieu? Et puis, montrer que Caïn... Pourquoi le Seigneur aime Israël et montrez-nous réellement que Caïn était le fils du diable? Donc il y a trois questions. Trois questions. La première, c'est qu'on ne peut pas chercher à être dans le plan de Dieu. Ou bien on est dans le plan de Dieu pour le salut, pour devenir soit un prophète, un apôtre, un enseignant ou simplement un croyant. Ou alors on n'a pas été prédestiné dès avant la fondation du monde à être dans le plan de Dieu. Mais aussi, on peut aussi être dans le plan de Dieu, dans le sens négatif. Comme Pharaon avait été destiné à être dans le plan de Dieu comme Satan au temps de Moïse. Et vous voyez ce que le Seigneur avait fait à Pharaon et à son armée. Et maintenant, la révélation scripturaire dit qu'il avait été suscité à dessein. Donc il était dans le plan de Dieu et Dieu lui-même, le Seigneur dit à Moïse, je vais endurcir son cœur pour qu'il ne croie pas, afin de faire éclater ma gloire sur la terre, en Égypte, avant de laisser partir mon peuple. Donc il était dans le plan de Dieu en tant que Satan, manifestation de Satan. Judas, il était dans le plan de Dieu lui aussi, toujours dans le très mauvais sens négatif, afin qu'il puisse vendre, trahir le Seigneur par amour pour un peu d'argent. Il était dans le plan de Dieu, négativement. Le pape et les prêtres catholiques, ils sont dans le plan de Dieu pour manifester Satan sur la terre. Donc, tout a été connu d'avance par le Seigneur et il peut annoncer. Maintenant, comment le Seigneur aime-t-il Israël? Comme je viens de le dire, Israël était dans le plan du Seigneur depuis l'appel d'Adam, depuis avant la fondation du monde. Il était le seul peuple qui devait, au commencement, détenir la connaissance du seul véritable Dieu, alors que les autres étaient des païens, adorant les idoles, adorant les poissons, les animaux, adorant les femmes, adorant les êtres humains. Maintenant, Israël était destiné, dès avant la fondation du monde, à avoir la connaissance du véritable Créateur, connaître son nom. Effectuer un voyage depuis l'Égypte jusqu'en Israël parce que c'était là qu'était le jardin d'Éden. Le premier homme a été formé là-bas. Et parce que le sauveur, le Machia, devait venir sur la terre d'Israël, il fallait qu'Élohim commence à travailler avec un homme qu'il a appelé Abraham, père de toutes les nations ou des multiples des nations, des rois, des juges, devait sortir, jusqu'aux chrétiens, devait sortir d'Abraham par Yeshua. Donc, Elohim aime d'abord Israël avant d'aimer toute autre chose. Il aime Israël parce que c'est son peuple qu'il a formé avec l'appel de l'homme Abraham à qui il a fait les promesses pour la terre, pour la ville et pour la naissance du Sauveur. Il devait sortir de la famille d'Abraham. Dans Ésaïe 51, il est dit, vous tous qui cherchez la justification ou le salut, regardez à un seul homme, Abraham. Regardez à une seule femme, votre mère, Saraï. Abraham seul, je l'ai appelé, je l'ai béni, je l'ai multiplié. Donc, vous devez avoir la foi. Il faut même, pour être sauvé, avoir la foi d'Abraham. Tout celui qui n'a pas la foi d'Abraham, il n'ira pas au ciel. Il ne peut même pas aussi être sauvé. Maintenant, c'est ça qui montre que Dieu aime Israël parce que d'Abraham est sorti Isaac qui était l'image de Yeshua. Et d'Isaac est sorti Israël et Dieu, le véritable Elohim, c'est celui d'Israël. En hébreu, on dit Elohim Abraham, Elohim Isaac, Elohim Israël. Donc, dans Exode, il est même écrit qu'Elohim n'a pas honte d'être appelé des noms de ces hommes-là. Abraham, son nom est lié au nom du Créateur. Isaac, son nom est lié aussi au nom du Créateur. Et finalement, Israël.
Donc c'est Israël qui est le peuple de Dieu. Même la véritable Église, elle est sortie d'abord d'Israël. C'était tous des Galiléens, Pierre jusqu'à Paul, c'était tous des enfants d'Israël. Tous les vrais prophètes qui ont écrit la Bible, c'était des enfants d'Israël. Donc voilà comment le Seigneur aime Israël. Posez la question à Pasteur Cass. Nous, vous suivons beaucoup par rapport à votre émission pastorale. Tout le monde était réellement caillé en théologie du diable. Suivez votre nouvelle émission sur Congolipanda face au public. Ah oui, mais ça c'est tout à fait clair. Aujourd'hui, quand j'ai médité là-dessus, il y a aussi des images qu'on m'a envoyées de la France aujourd'hui. Je ne les ai pas encore regardées. Dans les Saintes Écritures, ça saute aux yeux si on peut s'asseoir et accepter d'être conduit par l'Esprit de vérité. Dans Genèse 3, c'est le serpent qui est venu vers la femme, Ève, qui n'était pas sa femme, et qui a parlé longuement avec la femme, jusqu'à la séduire, la tromper d'abord mentalement. La femme a reçu l'enseignement du serpent avant de céder son corps pour être abusée par le serpent. Ainsi, j'ai compris aussi qu'il a transmis des semences. D'abord spirituellement, dans la matrice spirituelle d'Ève, pour qu'elle croie le mensonge. Ensuite, physiquement, corporellement, par les relations sexuelles qui ont fait que Caïn sorte de matrice d'Ève qui n'était pas la femme du serpent. Ainsi, la semence du serpent dont le Seigneur lui-même parle, verset 15, c'est clair. Je mettrai inimitié entre deux personnes. Entre la personne qui naîtra de la femme et la personne qui est ton fils. Si Abel et Chet étaient la bonne semence, la vraie semence, et bien la semence du serpent, ça devait être cet homme-là appelé Caïn. Et il l'a manifesté par l'inimitié. Il n'a pas aimé son petit frère par sa mère, Abel, qui lui avait la révélation. Abel, pour le culte, il a sacrifié le premier-né de son bétail. Il a versé le sang. Il a présenté au Seigneur la graisse de cet animal. Le premier-né qui représentait le Seigneur est sa mort. Donc quand Abel a adoré prophétiquement parce qu'il était de la bonne semence, fils de Dieu, il avait la révélation du péché, le péché de ses parents. Sa mère avait commis adultère. Et c'était le péché du sang. Ève avait été déviergée par le serpent. Et c'était le sang. Qui aujourd'hui, c'était le sang. Beaucoup de pasteurs contredisent cela. Ah oui, mais déjà Caïn a contredit ça dans son adoration. Au lieu d'agir comme Abel, si vous voyez le jugement du Seigneur, il a félicité, il a agréé le sacrifice d'Abel, il a dit « tu as compris bien ce qui s'était passé avant même que tu ne viennes au monde ». Et Abel, dont le nom signifie « ce qui monte », son sacrifice a été reçu au ciel. Et Hébreux 11 dit « c'est par la foi », donc par la révélation qu'il avait offert un sacrifice plus excellent que le sacrifice des catholiques, des protestants, méthodistes et pentecôtistes, nos grands frères. Caïn, il a donné le fruit de la terre. Jusqu'à aujourd'hui, tous les théologiens pensent que c'était un fruit de la terre. Un fruit naturel qui a été mangé, l'orange ou c'est pas les noix ou c'est pas quoi. Donc c'est toujours cette pensée charnelle, sans révélation. C'est pour cela que leurs sacrifices ne peuvent pas être agréés de Dieu. Parce que ce sont des hommes charnels, mécaniques, ils adorent mécaniquement. Mais la semence du serpent, c'est le premier fils du diable appelé Caïn. C'est lui la semence du serpent. Abel était la semence d'Adam. Merci. Comment nous, les chrétiens, le leadership chrétien se base sur quoi? Pose la question, pasteur. Sur l'appel. Je viens de vous donner l'exemple scripturaire, incontestable, de notre père à nous tous appelé Abraham. Même Abraham, c'est le nom qui est venu par le changement
le changement de sa nature à cause de l'appel divin. Donc, être un leader, ça ne, on ne peut pas recevoir ça par la politique. Abraham l'est devenu par la vocation, l'appel divin. Isaac, Israël, finalement. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Le frère Branham n'a pas cherché à être un prophète pour être un leader mondial. Evan Frank le fut aussi. C'est par l'appel, par la consécration qu'on devient leader. On a les pensées à véhiculer. Si vous n'avez même pas une parole, vous n'avez même pas la doctrine des Saintes Écritures, vous êtes seulement un prédicateur. Vous voulez vous faire un leader. Vous véhiculez quoi? Qu'est-ce que vous représentez? Quel est votre enseignement? C'est comme ça. Ce n'est pas la politique. Ce n'est pas par les élections. Est-ce qu'aujourd'hui l'Église est dans la souffrance? Qu'est-ce qui empêche la vie de Dieu de couler dans notre vie? Qu'est-ce qui empêche la vie de Dieu de couler dans notre vie, les chrétiens? Oui, oui, mais la soi-disant Église, une fausse Église est dans la souffrance. Elle est dans la politique, là-bas ce sont des souffrances. Ce ne sont que des souffrances, parce qu'ils vont toujours échouer. Le Seigneur n'est pas là-dedans, mais la vraie Église continue son bon chemin jusqu'à la résurrection et à l'enlèvement. La vraie Église, elle est dans la joie. Tous les jours, l'apôtre Paul a dit « Réjouissez-vous ». Et alors, la bonne question est là. Pourquoi la vie de Dieu n'écoule-t-elle pas dans nos vies? Mais la vie de Dieu est dans la parole du Seigneur, Jean chapitre 1er. Et en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Vous rejetez la parole de Dieu, vous rejetez le message du temps de la fin. Comment voulez-vous que la vie même de Dieu, qui est la parole et l'esprit, puisse couler à travers vous? C'est tout à fait impossible. Voilà pourquoi les gens se battent et ils ne trouvent pas de réponse au sujet de la semence, du serpent, le mariage, le divorce, la polygamie. Ils ne comprennent pas. J'écoutais aujourd'hui l'émission réalisée par un de nôtres, le frère Shlomo Manzambi, qui était en contradiction avec un ancien prédicateur du message venant du Katanga d'où ils avaient été chassés. Mais l'homme ne comprend rien du message du temps de la fin. Il était là pour contredire un enseignement inspiré sur la polygamie qui est partout. Donc pourquoi? Il rejette le Saint-Esprit. Il ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Le message du temps de la fin, c'est le Saint-Esprit. Mais comment on peut recevoir le Saint-Esprit? Mais en recevant la parole, parce que le Saint-Esprit se trouve dans la parole. Mais est-ce que le Saint-Esprit est une personne? Mais c'est Jésus-Christ, Yeshua, HaMashiach. C'est Elohim, le Saint-Esprit. Le Saint d'Israël, c'est le Saint-Esprit. Le Saint de Jacob, c'est ça le Saint-Esprit. Merci. J'aime beaucoup de vérités qui sortent dans la bouche du pasteur Kach. Je suis fanatique de l'émission Face au public. Poser la question au pasteur Kach, comment on peut jouer un rôle de leadership dans une église? Est-ce que le caractère chrétien est inné? Comment on peut protéger le leadership? Suivez votre nouvelle émission sur Congolipanda Face au public. Je viens de parler de l'élection de la prédestination. Donc c'est inné. C'est inné. On est soit enfant de Dieu par prédestination ou on ne l'est pas. Alors malgré les efforts, les études qu'on peut faire, les entraînements, la formation, l'imitation de parler en langue, on restera toujours charnel. Ou bien vous avez été élu avant la fondation du monde, prédestiné par le Seigneur à reconnaître votre jour, le message, son jour, votre prédicateur principal. C'est tout. Tout ça, c'est par prédestination. C'est déjà en vous. Frère Branham, il était né prophète. Avant même de venir au monde, il était déjà formé comme ça. Comme Jérémie l'a dit, Ézéchiel et tous les autres prophètes. L'apôtre Paul, non, Simon Kimbangu, n'entre pas en ligne de compte, il n'était pas prophète, il n'avait pas de message. Il avait été arrêté, je crois, selon les troubles politiques. Hein. Les Belges ne l'aimaient pas, peut-être, parce qu'il était aussi contre eux. C'est ça. Mais je ne connais pas beaucoup sur lui. Mais il a prêché Jésus-Christ, il a laissé la Bible, il a dit aux gens, vous qui me suivez après ma mort, n'utilisez pas mon nom pour en faire un parapluie. Qu'est-ce qui détruit aujourd'hui la force de l'Église? Posez la question au pasteur Kass. Est-ce que c'est un péché lorsque moi, qui suis beaucoup plus vos émissions, je suis pasteur, je vis en Angola, je prends de la bière? Qu'est-ce qui détruit la force de l'Église? On ne peut pas détruire la force de l'Église.
La force de l'Église, c'est le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Yeshua. Il est mort une fois, il est ressuscité, il vit au sein de son Église, il est la force. Et donc, prendre de l'alcool, ce n'est pas la Bible. Ça, ce sont les religions humaines. Il n'y a aucune écriture qui soit contre, parce que Jésus-Christ a été accusé de buveur de vin. Luc 7, depuis le verset 33 jusqu'à 34. Et puis, Paul a recommandé à Timothée de faire usage d'un peu de vin. Le Seigneur Elohim lui-même, avec Abraham, il a bu. Le prophète Noah, un grand prophète, il a bu. Il a cultivé la vigne. Et puis, le vin accompagne toujours les cérémonies des Saintes Écritures. Voilà. Pour signer la seconde alliance, le Seigneur a exigé ça. Pour la première alliance, les enfants d'Israël avaient mangé, ils avaient bu et ils se sont réjouis devant le Seigneur. Donc il n'y a aucun commandement dans les Saintes Écritures qui dit « ne buvez pas ». Mais il y a une parole claire dans Éphésiens 5, 18 où il est dit « excusez-moi, ne vous enivrez pas de vin ». Cela ne signifie pas « ne buvez pas de vin ». Donc s'enivrer, c'est s'enivrer. « Kolango amasangate ». Très bien. Nous avons aujourd'hui quel problème dans notre pays? Lorsque nous voyons des morts à Béni, lorsque nous voyons des accidents en route de Matadi, est-ce qu'il y a une malédiction qui suit notre pays, la République? Non, le Seigneur avait dit, il y aura des guerres et des bruits de guerre. Vous entendrez parler de guerres et des bruits de guerre. Une nation s'élèvera contre une autre, ainsi de suite. Mais que vos cœurs soient tranquilles, ça ne sera pas encore ça, la fin. Donc c'est comme ça. Merci. L'homme de Dieu, vous pouvez nous prêcher aujourd'hui pendant 6 minutes, parce que beaucoup de gens réclament que vous puissiez nous prêcher, qu'ils puissent comprendre si vous avez vraiment la parole, au lieu et place d'inventer la polygamie. Demandez au pasteur Cash comme ça. Non, je ne peux pas me vanter, mais je me glorifie d'avoir connu le Seigneur à travers sa parole révélée, d'en avoir reçu aussi la révélation. Cette révélation, je l'ai amené aux États-Unis. J'ai fait fuir les gens. Je l'ai amené en Europe. J'ai fait fuir les gens. Ici en Afrique, n'en parlons même pas. Donc je suis content de comprendre que le Seigneur m'a appelé et m'avait destiné à recevoir sa compréhension à travers sa parole de ce temps de la fin où il a envoyé le prophète Branham. Donc, nous n'avons pas inventé la polygamie. Nous avons seulement été ramenés à elle parce que la polygamie, c'est la parole du Seigneur qu'il a instituée lui-même après le péché d'Ève, le péché d'adultère. Ainsi, la polygamie a dit le Seigneur dans 2 Samuel 12, depuis le verset 8, c'est le remède contre tous ces péchés qui se commettent jour et nuit sur toute la terre, liés à la chair, liés aux eaux aussi. Donc le Seigneur est contre l'adultère. Une femme mariée à quelqu'un n'a pas le droit de donner son corps à quelqu'un d'autre, peu importe qui il est et ce qu'il fait. Il doit lutter pour conserver sa pureté. Parce qu'il n'a qu'un seul mari sur la terre. Du vivant de cet homme, elle ne peut pas trouver un autre mari. Sinon, elle sera appelée adultère. Mais ça ne s'applique pas de la même manière à l'homme. L'homme a été établi chef de la femme et même, pour vous rappeler, lors de la création, l'homme était là sans la femme. Ainsi, l'esprit féminin était seulement inclus dans l'homme qui était là. Il fallait qu'une opération soit faite à l'hôpital du Seigneur et que cette chirurgie soit accomplie pour qu'on voie l'être qu'on appelle la femme. Elle ne peut pas aujourd'hui chercher à diriger l'homme parce que l'apôtre Paul dans Timothée dit « c'est l'homme qui a été fait avant et ce n'est pas l'homme qui a péché, mais la femme ». Et parce qu'elle a péché, elle s'est rendue elle-même coupable de transgression. Lorsque le Seigneur distribue les châtiments, il a puni sévèrement le serpent en modifiant toute sa structure. Il a puni sérieusement aussi la femme Ève en touchant son corps. J'augmenterai les souffrances de tes grossesses.
tu y enfanteras avec douleur. Et tous tes désirs se porteront vers ton mari. Le Seigneur a canalisé les désirs même de se connaître de la femme mariée. Même de la jeune fille. C'est uniquement canalisé vers l'homme, un seul homme. Mais il n'est jamais dit que l'homme ne peut pas se marier encore tant que sa femme vivrait. Parce que la femme est venue après. L'homme peut se marier combien de fois? Alors, l'homme peut se marier autant de fois. Ça dépend de ses moyens. Le roi David, qui est même appelé père de Yeshua, dans toutes les Écritures, depuis les promesses, dans l'Ancien Testament, depuis que c'était promis au temps d'Adam, au temps d'Ève et au temps du diable maudit à travers le serpent, David est devenu ce père-là. Yosef, qui était le fiancé de Myriam, il était de la famille charnelle de la tribu de Juda. Et Yeshua, c'est le lion de la tribu de Juda. Et Juda, c'était le quatrième fils d'Israël, appelé anciennement Jacob. Nous n'avons pas inventé la polygamie. Alors le Seigneur a dit, j'ai mis en ton sein les femmes de ton maître Saoul, donc Saoul. Si quelqu'un condamne la polygamie, qu'il soit en mesure d'accepter que là, le Seigneur aurait péché parce que c'est lui qui a fait de David un polygame. Et il lui dit, si c'était peu, j'allais encore ajouter qu'il continue à dire que Dieu est polygame. Sinon, il faut qu'il ferme la bouche. Tout le monde a fermé la bouche. Moi, j'ai acheté un petit livre d'histoire. Le livre est confectionné par un de nôtres, quelqu'un qui a étudié à Boulongo, au Mweka, Kassai Occidental. Il a fait ses études universitaires ici, mais en 1976, l'année où moi j'arrivais ici, l'année où j'ai terminé les humanités, il a fait un bon livre d'histoire qui a été corrigé et puis complété par les grands historiens, y compris le prêtre ici qui est au Léon de Saint-Moulin. C'est un Belge ou un Allemand, je ne sais pas bien, mais il n'est pas africain. C'est en 1951 que la polygamie a été abolie dans notre pays. Moi, j'ai les documents des hommes de science, des magistrats, des juges. Je l'ai toujours cité, je l'ai ici. Et ils ont dit que c'est en 1948 que les Belges ont prôné qu'il faut que la polygamie soit abolie progressivement dans le pays. Donc la malédiction doit être retournée à tous ces gens-là, les Belges et les autres qui ont aboli le mariage sanctifié et même sacré. Pourquoi? Parce que c'était l'image du mariage, le mariage de Yeshua. Oui, c'est toute la Bible. Il a été dit au peuple d'Israël, qui était l'Église, de le faire, de prononcer les malédictions. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas un péché. Si quelqu'un maudit la parole de Dieu, méprise la parole de Dieu, change la parole de Dieu, il faut obligatoirement prononcer la malédiction. Alors vous êtes dans la volonté du Seigneur. Si vous ne le faites pas, alors c'est vous qui serez maudit. L'homme dédié, nous sommes arrivés à la fin. Merci. Un dernier mot par rapport à toutes les personnes qui vous ont suivi, qui vont vous suivre à travers le monde. Croyez la parole du Seigneur que l'Église primitive vous présente. Ce sont les Saintes Écritures. Et vous vivrez. Si vous rejetez la parole, le Seigneur vous rejettera aussi. Notre numéro de téléphone demeure le même, 0 9 9 9 9 4 fois 1 9 9 5 8. Donc voilà tout pour aujourd'hui. Que Yahweh Elohim de Béni Israël, Elohim d'Abraham, Elohim Isaac vous bénisse tous dans le nom précieux de Yeshua HaMashiach. Nous avons la permanence de l'Église en France, c'est-à-dire à Paris, à Le Mans, sur Seine, et une représentation à Lyon. Si vous êtes par là, nous avons aussi des frères en Suisse. Eh bien, posez vos questions, nous vous transmettrons leur numéro. Que Yahweh vous bénisse et vous éclaire si vous avez été dans son plan. Shalom et shalom. Suivez votre nouvelle émission Face au public avec Pasteur Cass. Congo Lipanda. Oh, Congo Lipanda. Congo Lipanda. Ah. Congo Lipanda. Oh.
Azuli kanisi ya malamu puna kusepelisa Banambuka Kongo Kongo lipanda Asali libango Kongo lipanda Peningali Puna kuyeba historia Kongo Landa Kongo lipanda